Zami, famille James, studio yo-yo, nous mêlés, peu pas ici, nous entravés. Nouvelle la tombée hier soir, t'as qu'on bombe, t'as qu'on coup de éclair. C'est Chris la Tibois, Chris la chef gang Tibois Fontamara, qui envahit, qui attaque sous commissariat, habitation l'éclair, sous Matissan, Negyo, Potéali, Akyo, yo saisi, yo chat blindé, à plusieurs gros âmes pour la police. Mais cause, c'est bandit, t'as fait cause, pas bon ici. Et bien après ça, gagné porte-parole la police là, qui c'est inspecteur Gary Desrosiers, tout bon vrai, qui confirme les nouvelles là. Il fait connaître que Chris là prend ce commissariat, prend policier dans un coup, surprise, dans un coup inattendu. Et maintenant là, ça peut être là tout gagné. Chris là, même oui qui parlait, Chris là qui fait tout ça, même oui monsieur parlait, il y a une raison qui fait que il saisit Chablendia avec Zamio pour la police. Raison qui fait qu'il fait coup ça, attaque ça contre sous-commissariat. Et j'en parle à tout. Il fait quoi que c'est prêté, le prêté, bon titan, le prêté, yo, la poté, yo, tourné. Mais pays, prêté là, nous allons fort, tandis, Chris la même qui parle. Secrétaire adjoint pour les affaires hémisphère occidentale, là, Brand Nichols, entré hier dans le pays en Haïti, il a déjà rencontré AKPM Ariel Henry, il a rencontré tout, je t'ai parlé tout, avec groupe Montana. Qui est-ce qui est tombé? Qui est-ce qui dit, rencontre lui avec groupe Montana? Gagné Jacques, professeur Jacques Ted, syndic qui va en détail, nous allons partager avant, t'as le constat, restez là. Gagné Rika Pierre, ministre planification, Rika Pierre, qui sortit sous silence. Donc, on a monsieur, c'est un ministre qui votait, arrêté, qui a eu droit pour une présence, une force armée étrangère dans le pays. Mais Rika Pierre, SDP, nègre, André Michel, là, il parlait. Il a eu détail, il a eu raison. Il va te poser, non, nous allons faire des bagages. C'est pour ça que seulement, nous allons partager à vous bien rapide dans la vidéo. Ça, qu'on y a un petit temps, ban nous un petit love, si like la vidéo, ça, commenter, abonnez et de nous partager. Belle, bonjour, bonsoir. Descend en bas vidéo, ou après subscribe, ou cliquer sur lui, ou après un petit cloche paret, ou cliquer sur les trous, ou après tout, cloche paret, ou après première qui c'est tout, ça vient deux petits parenthèses, tout est bien, et puis ou correct. Ayer, mercredi 12 octobre, là, na souhait, Chris là, qui c'est chef gang Tibois, dans Fontamara, monsieur attaqué. Bon, m'a pas attaqué. Bon, m'a dit plutôt, Chris là, passé, ouais, il était passé visiter policier Idmoyo, qui était dans sous-commissariat, habitation l'éclair, qui trouvait le sous-matissant. Chris là, tout soldat là, avec toute l'armée là, passé par les policiers Udmo, ils ont visite. Ils ont tiré contre ta tête. Sans policier pas riposté, sans balle cartouche pas tiré, Chris là, prend un chat blindé. Liberté, un chat blindé, nommé la police. Il prend tout plusieurs gros âmes manches longues pour la police. Et il y a un gros âme manches longues qui se prend. Quand on est sous commissariat, c'est un qui est le Nigev. Zam sa qui est le Nigev là, c'est un zam qui puissant pile. Mais actuellement là, Chris là prend zam sa en dedans sous commissariat. Et bien, je ne veux pas tout. Après ça, gagné porte-parole PNH là, inspecteur Gary Desrosiers, qui parle. Tout bon vrai qui finit par confirmer nouvelle là. Qui dit oui, tout bon vrai, Chris là attaqué ou bien entré en dedans sous commissariat. Habitation l'éclair, les saisies blindées, la police examine la police. Il va connaître tout, inspecteur Gary Desrosiers va connaître tout, que heureusement, pas de policier qui victime, pas de policier qui blessé, ni policier qui mourit. Plume sous dos, policier pas touché. Bonne nouvelle. Mais, et Chris là, faut y aller à Kli, Chabende, avec plusieurs armes pour la police. En tout cas, jeune jour là, il y a inspecteur, pour pas la police à Gary Desrosiers qui parlait. Mais pour vidéo pas trop long, nous pas bon d'il naturellement bon d'il Chris là lui même tout qui parle. Et ben selon Chris là lui même il fait connaître le balia, c'est parce que il apprend nèg Gravinho s'il a appelé Bougoy pour attaquer sous commissariat habitation l'éclair. Il va l'attaquer pour qu'après matériel la police dedans. T'as couché blindé exam. Et bien, Chris là qui dit qu'il est au courant de ça, qui a un plan là, qui a un plan pour attaquer le sous-commissariat, lui-même ça le fait, lui qui prend des vents. Il prend des vents comme si l'alpote est renfort, l'anticipe quoi pour la police. Attendez, Chris là, lui-même prend des vents, l'alcampé en face de la pluie,
pour yo pas attaquer sous commissariat et puis yo même tout yo gen temps branche à blindé examen la police dans sous commissariat habitation l'éclair yo kembel yo même plutôt c'est kembe bagay sa yo pour la police que c'est l'appli parce que s'il l'appli lui-même te gen mission pour voler pour saisir honnête quant à Chris la lui-même fait connait que c'est prend yo li kembe yo pour la police la remet yo li kembe cha blindé ya pour la police à tous les amis la remet yo Chris la dit ça oui la remet yo c'est prêt le prêt yo c'est kembe yo là et pas oublier là dans moment il y a une gros bataille qui éclaté en temps bandi Izo yo entre Izo qui vient allier ti l'appli en face Chris la qui donc en vent Chris la remet matériel ça yo cha blindé ya exam yo la gitan la bagarre la gitan qui ba nan mel pour servir contre Izo ak ti l'appli pour frapper pour crabiner ti l'appli ak Izo depuis tout Chablende ya bon il y a qui fait déjà Izo te pour Chablende déjà li remet ti l'appli tout ta remet li Chablende ya même ba konnen est-ce que ti l'appli tout bon vrai pour li met zam yo ba konnen la zam là nous ka wè tout chef par chef konnen pays ça c'est bandi qui chef policier par chef encore c'est bandi qui chef c'est bandi qui gen antenne qui au courant de ça qui va le passer et c'est bandi tout qui monte renfort à la police en tout cas t'en as entendu Chris là qui parle m'a dit bonjour bonsoir à toute population haïtienne nous allons tout peuple haïtien tout le monde connaît gon bataille qu'a fait en dans troisième là depuis 1er juin 2021 à nos jours tout le monde connaît tout ça qui passé en dans troisième là. Nèg grave dans village avec allié yo envahi peuple troisième là. Même commissariat en dans Matissan 1 nèg yo krasil. Nèg yo fait cas de Jacques, yo volé, yo fait kidnapping. Nous-mêmes, nous toujours connaît tout ça nèg grave une café. Jodi a nèg grave envahi toute zone là. Lè envahi tout zone nan y attaqué commissariat. Nous même nèg tibois, nous connais si nèg yo prend commissariat, yo prend matériel l'état, tout ça ka fait avèl. Nous même nous choisi algoumé, nous repousser nèg yo et nous même matériel l'état ou lan men nou. Parce que nous pas vle nèg yo entrer en dan commissariat et puis prend matériel l'état, puis al fait tout vieux ak avèl. D'ailleurs tout moun konnen 12 mars, que peuple haïtien pas jamais oublié. Tout le monde connaît commissariat Thomasin qui fait passer là. Tout le monde connaît ça qui est passé dans le commissariat Granville. Je dis à si nèg yo te rivé en dans commissariat Benlan, yo t'a prend tout matériel qui là-dedans, yo t'a pas bal l'état problème, tout peuple haïtien t'a pas mêlé. N'a dit l'état haïtien. N'a prime tout matériel l'état qui nan men nou. Nous pas elmi l'état, nous pas elmi aucun peuple ici. Et nous pas voler, nous pas kidnapper. N'a dit l'état prend responsabilité à peuple Fontamara, prend responsabilité à peuple Grand Sud là, prend responsabilité dans tout pays là. Jodi a tout moun ka wè, pa gon grain policier qui même grafoin. En pile on a dit yo pa policier yo pa ceci pa un grain policier qui grafoin. N'a dit l'état prend responsabilité. Jodi a moun Fontamara moun Matissan ka fou pa gè côté pou le kebe moun encore. Y a en pile moun Matissan qui mouri l'autre zone. Y a en pile jeune fille Matissan qui nèg fait kadjak sou li. Jodi a l'état jwet nan moun. N'a pris mettre tout matériel yo pour responsabilité. Merci peuple haïtien. OK, en tout cas, nous ka wè, c'est bandi qui a fait causer pas bon ici. Et malgré blanc presque arrivé, blanc sur autre ici là et blanc tout yo, gon bat au gars côté américain qui là bon la mer en face pour tout presque. Gars côté ça qui a fait patrouille bon la mer. Il a tout pour porter aide humanitaire à l'autre aide toujours Haïti en attendant. Mais yo la tout pria à tout ça nèg yo pa mai y a bataille y a fait des ordres y a attaqué la police monsieur fait causer
Hier, mercredi 12 octobre, là, il y a Brandon Nichols, qui est secrétaire adjoint pour les affaires émissaires occidentales, là, qui est entré en Haïti. Et Brandon Nichols, il est rencontré avec PM Ariel Henry, même il y a tout, il est rencontré avec groupe Montana. Mais, il y a professeur Jacques Ted Saint-Dic, qui fait partie de Montana, qui était dans le palais, dans la rencontre avec Brandon Nichols, il y a des détails, sur qui ça qui dit, sur qui ça qui tombe, dans la rencontre là. Il fait qu'on est que groupe Montana campé en quoi. Il dit non, il pas voulu Ariel Henry encore sous pouvoir. Ariel Henry échoué. Puis il y a une pile mal fin dé pas fini avec Ariel Henry. Il a demandé pour équipe Biden supporter Ariel Henry sous pouvoir. Et lui critiquer tout autorité américaine yo qui était pour mettre qu'il a aidé unité SWAT là. Et y a bay la police là bon matériel pour combattre bandi, et ben américain pas jamais fait ça, pas jamais bay la police nationale en rien du tout. Et les profiter côté bon Nicole plein tout, professeur Jacques Ted Saint-Dic profiter côté bon plein tout pour autorité canadienne yo qui pas jamais les remettre Haïti ou bien livrer Haïti matériel char blindé que autorité haïtienne a acheté dans main Canada. Et puis tout l'autre bon encore gien bon Nicole qui fait connait que va côté pas là yo ap cancel visa plusieurs moun yo ta suspect qui n'a supporté, qui n'a couré, qui n'a maré saucisse ak bandi, ta financé bandi nan pays a. Ben ka sa gen 12 à 16 visa qui déjà cancel. Gen 12 à 16 visa gros chabraka, gros zouzoun k'ap supporté bandi nan pays a qui déjà cancel. Kou la, on a entendu professeur Jacques Ted Saint-Dic qui t'a bay plus détails concernant rencontre groupe Montana ak Brandon Nichols hier mercredi 12 octobre. Et moi, ouais, nous parler en fonction du document nous rend public là, de position nous par rapport à la force étrangère là. Nous dit oui à l'assistance technique et logistique à l'État haïtien pour renforcement force l'audio. Maintenant, à une nouvelle intervention militaire et policière en Haïti, nous parler tout de démission Premier ministre Ariel Henry à toute équipe gouvernementale là. Qui réaction et délégation hein, là nous aborder point ça. Très bien. Et deuxièmement, pendant la journalistique, comme t'as dit, qui j'ai fait présentation à eux-mêmes. Présentation que je fais, que le ministère fait, particulièrement M. Brandon Nichols, c'est d'abord expliquer qu'un pays a une situation de dégénérescence humanitaire dans pile difficulté dans le pays et surtout insister sur la question de choléra. Il y a des chiffres que les présenter, son nombre de monde qui est infecté, le même nombre de monde qui mourit déjà. Et côté que maladie a, dans la situation que le cas développé plus dans le pays, il même parlé du volume de monde qui est à risque dans le pays. Et en même temps, il y a un danger pour Caraïbes là et pour la République dominicaine que maladie soit capable de développer là. Donc, face à l'urgence, ça, pour l'urgence nationale, je pensais qu'il y a deux approches, qu'il y a eux-mêmes. D'abord, son approche de côté assistance médicale et assistance et pour l'hôpital, qui est capable de travailler. Mais en même temps, puisque donc il y a une situation côté un blocage d'essence, de gasoline, de gazoil dans le pays, je pensais qu'il faut eux-mêmes lui résoudre le problème ça. Et dans ce sens-là, il y a bail la police à l'assistance technique nécessaire. Y compris avec des blindés, y compris avec d'autres équipements que vous gagnez disponibles à Caio. Il y a pour venir avec la police là pour voir comment résoudre le problème ça dans l'urgence, parce que quand vous pensez que c'est important, mais c'est à travers la police là, c'est ça arrivé en assistance technique, ce que nous-mêmes nous concevons qui est normal, nous pensons que ça a fait dans la mesure que le gouvernement négocie ça avec eux, c'est pas directement avec la police là. La police n'a pas une entité, pas une autorité, sans que par le gouvernement qui est dans le pays qui a dirigé. Donc c'est comme ça que ça fait pour arriver à la police là, parce que la police là va toujours indépendant par rapport à la politique ici, par indépendant tout par rapport à l'international, parce que le travail que la fait, son travail pour les citoyens haïtien que la fait. Donc, il a développé comme ça. Mais après, il a expliqué que pour gagner certainement aux réunions au Sénat des Nations Unies, côté le secrétaire général déjà, il a travaillé pour préparer aux forces multinationales qui pourront intervenir dans le pays suivant, ça a dit, ça paraît tout la demande, à la demande de M. Ariel Henry qui était prêt en résolution et quasiment, on nous dit de la honte. Pour demander une intervention en dans le pays, c'est la première fois dans l'histoire du pays. En dehors de 1915, j'étais fait au Parlement fait ça, mais cette fois-ci, c'est au même type sous tout paillot. Et vous, vous faites un arrêt comme ça. Donc, il y a ça comme une réalité qui est pour nous, qui est prêt à arriver. Donc, position que vous avez développée dans le papier, c'est une position qui répond à ça. Il répond à essentiellement, nous sommes d'accord avec la question de coopération technique pour résoudre le problème. Nous pensons que nécessairement, de la police, il y a des entités, il y a des unités qui sont capables de gérer la question, si effectivement encadrées.
Et nous rappelons que depuis longtemps, nous promettons que nous dit soit team et l'offre de cette capacité d'intervention, nous ne pouvons pas ça. Nous rappelons que nous avons des discussions antérieures avec eux. Côté la question de l'assistance technique est abordée, ils ont été préparés pour faire une équipe de travail pour résoudre le problème. Ça, nous avons comme d'affaires, nous ne pouvons pas répondre à lui-même. Nous rappelons que le gouvernement il a acheté des matériels du Canada qui n'a jamais livré. Et à tout ça, pendant que les choléraques là, c'est ministre qui a été mis dans l'intervention que nous avons fait, nous avons été en pays, qui ont été portés maladie, il semblerait qu'on y a encore ces Nations Unies et l'ensemble du mouvement de force multinationale qui prend le tourner pour résoudre le problème choléra. Professeur Sendi. Donc, je vais nous même expliquer à ce moment-là. Professeur Sendi. Si c'est la peste du côté qu'on y a là, en disant qu'il y a retourné encore l'autre mission, professeur Sendi. Professeur Sendi. C'est un support local. Vous avez l'entendu, non? Allô? Oui, alors, oui, oui, désolé. 8h à 4 minutes, c'est l'heure pour monter le drapeau. L'en retourner, n'a bien pour aborder et conclusion rencontre là. Et qui ça, vous autres, au niveau de Montana, nous espérer après visite, délégation ça. Et par rapport à la rencontre ça, nous sommes évoqués deux points là-dedans. Qui c'est d'abord, qui sont assistance technique et logistique à police nationale là. Et deuxièmement, qui c'est démission pure et simple d'Ariel Henry et l'équipe gouvernementale. Au final, qui ça conclut la rencontre ça et qui ça recommandation émissaire américain oui. Et très bien, et alors on va continuer un petit bout et dans le reportage journalistique qui m'a fait pour population pas bien comprendre comment la conversation passée et qui ça le dit. Il y a un tout annoncé que on sait le mesure que la France soit fait retirer visa en signe le monde, qui officiel le gouvernement, qui monde qui a une relation avec gang, qui a financé gang, il voulait processus ça déjà. Il y a bien entre 12 et 16 visa que le cancel déjà. Et en même temps, je vais profiter à ce moment-là pour le dire par rapport à la France internationale que la Nations Unies a préparé. Je demandais, je pensais que Montana, vu l'audience que l'on a et vu l'attente de la population par rapport à ce Montana a fait, je pensais que Montana est capable et mieux lancer un appel sur la question humanitaire et aussi sur l'affaire tout qui a fini éventuellement après que la société a décidé. Et nous disons clairement à ce moment-là, sur la question de aide humanitaire, sur la question de résoudre le problème de sécurité en appui à la police, tout équipement qui est nécessaire, que ce soit électronique, que ce soit armes, que ce soit tanks, que ce soit tout qualité de bagages possible pour la police au travail, pour faire travailler, et avec des encadrements de formation, puisque y a plus d'expérience que nous dans la ça, et moi, c'est un risque qui est extrêmement important. Nous pensons qu'à ce moment, pas de problème. Mais sur la question de l'occupation territoire de troupes militaires dans le pays, Montana n'a pas jamais associé à aucun moment, à aucun gouvernement, à aucun État étranger pour permettre que ça fête. Et que c'est un bagage qui est clair pour nous, et nous pouvons demander, faire tout ça, on est la démarche à l'international, quand il est très intéressé à ça, pour nous casser ça, pour nous parler avec le secrétaire général des Nations Unies, pour expliquer que c'est le monde du gouvernement, pas lié aux Haïtiens, il pas lié aux populations, hein, et Montana, de sur quoi il pas lié, pas on appelle comme ça, nous pas besoin de supporter. Donc, à partir de ce moment, je vais expliquer. Que ça n'a pas fait la cible, si le fait qu'il y a arrivé dans la place, son arrêt cap plus humanitaire, son arrêt cap pour calmer les tensions, son arrêt cap encadrer les engagements politiques, qui a permis de prendre un accord, tout ça. À ce moment, nous rappelons que depuis 18 mois, t'as expliqué à notre pays qu'un accord politique possible, et à chaque fois qu'il est presque à accord là, le gouvernement en place a toujours à l'école, et toujours bien un handicap, un problème, parce qu'il y a une fixation sur le bagage municipal, ou une fixation sur le seul monde qui peut résumer tout pouvoir d'État. Qui c'est le pouvoir judiciaire qui va fonctionner aujourd'hui? Qui c'est le pouvoir législatif qui est pratiquement réduit à 10 et sénateurs? Qui c'est le pouvoir exécutif? C'est lui-même qui est seule autorité, c'est M. Ariel Henry, seule autorité dans le pays. Expliquez-vous qu'il y a une démocratie dans un pays sur la terre que le seul monde résume ça. Nous toujours disons que nous ne pas dire M. Ariel Henry sont dictateurs, mais condition qui réunit, c'est une condition de dictature qui vient d'un pays qui peut pouvoir réunir à un seul monde. Et les parents, ils ont insisté sur l'aspect humanitaire du groupe qui a réuni, nous redisons encore que nous ne sommes pas concernés à un moment comme ça. Donc, ceci dit, et à un moment, ils ont obligé de dire que ça a fait là, avec nous là, la conflit avec nous là, et décision de débloquer avec gaz pour qu'on circule là, et en même temps, la question du côté d'être humanitaire à l'hôpital de Bayo équipement, ils ne peuvent pas interpréter comme à aucun moment au support à gouvernement qui l'a déjà. Nous disons, nous notons, nous t'avons dit, cependant, démarche pas maintenant. Nous disons, pour nous sortir de sa manière, il faut nous renforcer l'institution sécuritaire dans le pays, certainement. Et en même temps, nous pensons que pour qu'il soit sécurité la résoudre, il faut que nous jouions et résoudre le problème que pendant quel lien politique avec les gangs. Il faut que les relations politiques, des partis politiques, des membres du gouvernement ou de n'importe quelle instance dans l'État, par des rapports d'impunité avec les gangs. C'est fondamentalement. Et en même temps, nous expliquons
et que même Belinda a cherché une capacité pour faire consensus ça, et que pouvoir même au bon moment l'expliquer ne peut pas autoriser, ni pas les autorités pour faire ça. Mais toujours chacun dit que ça veut dire étonné, comme si on dit que M. Henri est tout liberté pour le parler, pour le faire, pour le faire, c'est pas arrêté par lui-même, mais nous disons que vraiment nous pensons que son problème est lié, et c'est là que la guerre a bloqué. Et nous pensons, vu ça passé pendant 14 mois, ça passe dans le pays, pendant plus de 2 ans installés, pendant qu'il y a plus de kidnapping qui fait dans le pays, pendant 14 mois, ça passe là, qui va jamais être avant. Il y a plus de massacres qui fait, plus de massacres qui gagnent, qui fait dans le pays, ça mettait nous, nos situations, que nous constatons l'incapacité du pouvoir local, l'incapacité du sacre-là qu'on y a, pour résoudre le problème. Et nous disons, solution pour ça, commencer à voter, c'est encore une fois, c'est un changement de leadership. Leadership, ça a échoué, il n'y a pas capacité pour faire ça. Professeur Saint-Dié. Et quand il se passe sur le pays, il y a du réalité ça. Et il y a dit ça, il y a plein de temps d'après eux-mêmes, dans le sens que, sans que résoudre le problème, ça a là comme pareil, il y a des gens, et d'un coup, nous-mêmes, d'après eux-mêmes, pour arriver dans la force là, et bien après ça, il y a gardé, qui gens, qui ont un accord politique. Nous-mêmes, nous ne disons pas au courant, nous avons un accord politique, c'est nous qui avons construit dans le pays, et dimanche, nous avons fait de l'encontre de tout notre secteur, parce que pouvoir bloquer, il va avancer le parc de ça, et pouvoir contester toujours d'IA, fortement, les doubles prix de gaz à mettre à niveau ça, sans considération aucune pour condition de vie, nous-mêmes, de pays, sur l'école qui a ouvert, leur incapacité de faire quoi que ce soit, ils ont bloqué. Donc nous disons qu'il faut que la gagne ça, nous résoudre, donc il n'y aura pas de collaboration ni de cohabitation avec M. Ariel Henry, tant qu'il est au pouvoir, pour avoir un gouvernement consensus, ça a été dit clairement. Et il n'y a pas de et nous disons, pour ne pas faire comprendre, communiquer, pour nous dire ça, ça c'est pour les points. Et nous ne pouvons faire qu'une collaboration à quel que soit le gouvernement qui t'a entré en bas en occupation en deux pays. Nous connaissons pays, nous vivons, nous consacrons en quelle occupation, par exemple, un moyen pour le pays. Au contraire, c'est désolé aller. Nous expliquons que les autres étrangers en train de pays, soit disant par combat gang, alors que gang n'a pas d'uniforme, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de niveau identifié. Quand même, dans deux populations, on pense que l'on est gagné, on va combattre avec un risque, on ne peut pas qu'on subit une pression gagnée dans le quartier populaire, d'un côté, dans une situation vraiment précaire, comment on même va faire distinguer. Donc, nous connaissons que l'on a plus de difficultés pour le format comme ça, mais comment on va faire comme ça? La police nationale d'Haïti, qui est une institution légale et reconnue et partie de l'établissement de l'État, de parler dans le pays, l'ordre de l'État, c'est pour développer la capacité de faire et finir là-dessus. Pour être capable d'identifier les gens, pour qu'ils comprennent la réalité, parce que voilà, tout simplement. Et là, nous nous disons qui c'est le gang, peu insécurité, même avec on dit la rue, parce que volume l'argent au fait, tout le monde a tous les gens qui ont un groupe pareil, tout le monde a des conflits, des conflits de pouvoir, tout conflit ça, une vivre en dedans, qui est-ce qui a fait, si c'est pas ici, qui comprend la réalité, qui met en place, qui a des techniques pour ça, qui a des supports pour ça, qui pour résoudre. Eh bien, ok, frère Samuel, là pour nous finir, nous partage avant Rika Pierre, ministre de planification, Rika Pierre. Neg SDPA, Neg Delcroix, Neg André Michel là, c'est un monde qui s'y est arrêté qui bail droit pour yon force militaire internationale entrer dans le pays. Mais Rika Pierre là qui a essayé bail détail explication pour qui ça lui même tout bon, lui d'accord, il veut dire arrêter ça. Mais Rika Pierre qui pourrait faire l'histoire, il a dit puis il y a pas bon du tout, il y a pas bon même. Raison qui fait la route, rien n'a pas marché, pays à la c'est chaos total, mais pendant que même mon gouvernement là, même gouvernement, tu as dit américain, tu as dit, pardon, tu as dit Nations Unies, que tout bagaille en forme, tout bagaille sous contrôle dans le pays. Mais quand on a là, il y a plein, pas rien qui a marché dans le pays, bandit, quand le pays est net, pays à pas manger, la vie chère, pas de gaz, tout route bloqué, barricade, pays qui est invivable, selon Rika Pierre, raison qui fait que, il votait, il dit blanc, venez de yo, venez assurer, venez protéger pouvoir yo. Là, va quitter commenter moi, ma vidéo ça pour Rika Pierre. Pendant, moi fait entendre. Entendre Rika Pierre. Au sous James Studio, pas oublier commenter, liker, abonner et partager. Peuple haïtien. Gang pas suspend multiplier dans quatre coins pays, particulièrement dans capitale là. Chaque jour, gain pour pipiti, un nouveau chef gang qui installé yon côté. Jodi a gagnent pour pipiti 200 gangs qui fait de l'eau couler dans les yeux nous chaque jour. Gang ça yo t'est monté pour bloquer bataille peuple qui souffre dans pays. Sorti 2010 pour arriver aujourd'hui, gros chabrak PHTK Jovenel Lissio mette outil ça pour mettre kembe pouvoir piller pays et puis empêcher lever camper contre yo. Pour rendre yo plus efficace, yo rive mette yo ensemble dans gros fédération. Allié zami ak fami yo pi plis passe sa nou wè
qui a exam nan men yo kap touye, kidnappé, volé, violé femme ak ti moun nan bazye nou chaque jour yo. Zami ak fami yo ou jwenn yo nan classe politique la. Nan mitan gros businessman ki refuse payer la douane 5 kob pou pile marchandise y a importé pour tèt yo ak pour l'autre moun. Qui donc yo refuse payer l'état pour ça yo importé yo même et puis y a touché kob nan men l'autre moun pour porter marchandise pour yo sans yo baye l'état 5 kob sou marchandise sa yo. Nan mois juillet août ki sot passé yo. Gouvernement a décidé pour le camper crime ça yo k'ap fèt nan douane yo. Sous chaque 100 conteneurs qui entrent, li inspecté, li fait inspecter décemment et puis li exige tout moun ki te dwe la douane yo paye. Moun sa yo, c'est moun ki te konn passer ak marchandise yo sans payer un goud. Ti moun nan pou yo ta paye ya, après fin fè gros deal ak la douane, yo konn anidi yo dwel et puis yo sorti ak conteneur yo. Décision contrôle sous douane yo permet moins zam ak moins bal entre illégalement pour vinn semen dey nan mitan nou. Li permet l'état entre 8.5 milliards goud nan mois août la. Alors que c'était toujours 3 à 4 milliards goud l'état te konn entre chaque mois. Nan 8.5 milliards goud ki entre nan mois août la, gen moun ki oblige payer 1 milliard pou kont yo. Contrôle sa yo l'état ap mete nan douane yo pral entraîner yon gros niveau insécurité. Businessman fâché, gangman enragé, politicien qui sous contrôle businessman et puis ali a gangman enragé. Pendant peuple a manifesté contre augmentation prix gaz là, gang yo profite écraser en pile businessman li rak malheureuse k'ap bat de l'eau pour faire tourner bè. Et puis yo mette main sous principal terminal gaz pays. Y a volé gaz pour vendre tête nèg dans la rue. Galon gaz a vendu sorti 3000 pour arriver 5000 goud. Situation ça amène une gros conséquence. Ti moun pa ka l'école, pi fò business déjà fermé porte yo, ça qui vinn lagué dans chômage, pi fò moun ki te gagnon ti dégagé. Capital la bloqué dans 4 points. Moun ak marchandise pa ka sikile. Pa gen manje, pri yo monte bois. Manje ki produit en province yo, pa ka rentrer dans ville yo. Ça qui prend chance entrer ak yon ti bagay yo, yo touye yo. Manje ki sorti l'autre bò yo, pa ka arrivé dans ville yo aller wè pou ande yo. Grand goût a dé pa fini pèp la. Plus passé 5 millions moun menacé pou grand goût touye yo. Jodi a gang yo gen yon sel demande nan bouch yo pou yo déposer zam. C'est amnistie pour tout mal yo fait dans pays ya. Ça veut dire yo mandé pour n'oublier tout massacre yo fait, tout moun yo touye, tout moun yo kidnappé et puis humilié. Tout moun yo vinn rendre pauvre sans syncope tellement fait payer gros l'argent dans kidnapping. Toute femme ak ti moun yo violé devant mari ak papa yo. Si yo pa joine ça yo mandé ya, yo menacé pour yo mettre difé dans terminal varia. Ça qui ta ka entraîner la mort plusieurs milliers moun dans zone terminal là. L'ami ak la police gen environ 2 semaines ap goumen pour reprendre contrôle terminal. Bandi yo krasé en babal depuis ces matériels yo t'ap utilisé pour rive libérer terminal. Puissance zam ki nan men bandi yo dépassé ça la police ak l'armée gen pour bataille avec yo. Situation ça bay en pile tête chargé. Nan au moment côté choléra commencé touyer moun nan pays. Sans gaz et puis en bas danger zam bandi k'ap simen dey. L'état pa ka ouvert centre choléra pour bay malade yo soin pour sauver la vie yo. Sans gaz si moun yo pa ka pranchimen l'école. Sans gaz factory ak business yo pa ka relouvri. Sans gaz ti producteur nou yo a perdu tout sa yo te produit et puis grand bou a taille bande ak risque pour en pile moun moun. Devant situation tête chargée ça. Gouvernement décidé pas entrer dans aucun vieux deal ak bandi. C'est peut-être ça li mande yon coup de main international là. Pour aider éviter catastrophe humanitaire pays à plonger la donne. Moi choisi signer résolution pour m'en écoute mais ça parce que m'pa d'accord et m'pa jamais d'accord pour gang ta joindre une amnistie après tout mal yo fait pays après tout blo yo fait a couler dans yeux peuple haïtien. Moi même Ricard Pierre, moi choisi signer résolution ça pour éviter catastrophe humanitaire qui menace pays. Moi choisi signer résolution ça pour camper la rivière sans cap couler dans pays. Moi choisi signer résolution ça pour permettre la vie recommencer dans pays. Moi choisi signer résolution ça parce que moi croit situation n'a vivre là pas qu'à continuer. Génération jodi a ça qu'a vini demain yo va juger moi. À conscience moi, moi pas pour verdict là. C'est pour bon Dieu la vie avec l'esprit protéger pays moi. Ricard Pierre.